Alors, on est reparti pour le chapitre 17. Donc, je garde Sunburn. Super, on trouve directement la tablette. Je garde Sunburn pour les raisons que j'ai expliquées dans les chapitres d'avant, c'est-à-dire si je croise des zombies. Bon, après, si je trouve que ça avance pas vite, hein, je repartirai sur Terrafine. Et voilà, ce qui devrait permettre, si je me pousse, d'ouvrir la porte. Je pense que je vais reprendre Terrafine parce que je trouve qu'il avance vraiment pas vite. Et l'explosion à la fin, qui arrête le mouvement net, c'est pas terrible. Allez, on va avancer plus vite. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là en bas? Ah, un téléporteur un petit peu caché. Et de l'eau. Alors, déjà on va prendre lui. On arrive là, un coffre, super. Ça, c'est cool. Voilà, le coffre. Si je vais par là, il n'y a rien d'autre. Oui, on peut pas aller là. Hop, bon, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'eau. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pour voir si éventuellement il n'y a pas quelque chose. Alors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais rien trouver. Elle est quand même assez grande cette étendue d'eau là. Petite plateforme là au milieu. En particulier. Bon. Bon. Je pense que en passant par la porte de l'eau, on devrait arriver sur cette zone. Du coup, je vais le garder. Hein. Voilà. Alors, ça c'est fait. Tac, on m'en doutait qu'on allait arriver là. À la porte de l'air. Direction en face. Là. Alors, qu'avons-nous ici? Un coffre, un chapeau. Parce que là, tout va bien. Là, la bombe. Ok. Voilà. Ça, on est tranquille. Encore un interrupteur. Permet d'aller là. On va revenir avec la bombe ici. Ok. Voilà.
Alors, là du coup ça va faire quoi? Ok. Et bah super, on va pouvoir tout choper d'un coup. Le coffre et le chapeau. C'est génial ce chapeau. Péric. Ressortons. Continuons le niveau. Quand même, regardez ce qu'on a comme objectif. Bon, il nous reste un coffre, du coup, la gemme et le trésor. On va tâcher de s'en occuper. Voilà. Un nouvel interrupteur pour ici, c'est ça. On va décaler le tout. Les Skylanders liés à l'eau sont Ah. puissants ici. Hop. Hop. Voilà. C'est ouvert le pont. Ici. Les Skylanders liés à la mort sont plus puissants. On a un puzzle, mais surtout, voilà, on a ça ici où il va nous falloir justement cette porte de l'eau un peu cachée. Mais ça sera pas complètement la suite du niveau, ça me paraît énorme comme zone. La potion, qu'est-ce que j'en ai fait? À mon avis, il faut que je recommence ce niveau. C'est ça. Les Skylanders y
Il va falloir que je recommence le niveau. Parce que je crois que là, j'arrive. On va tout utiliser. Il y a rien. En tout cas, si c'est pas la fin du niveau, franchement, c'est une sacrée zone. J'ai complètement oublié. Déjà, on a une gemme d'âme. À mon avis, c'est pas la fin. C'est la fin du niveau. C'est la continuité du niveau. Donc, on aurait raté le pulse, très certainement, du coup, un objet. Un coffre. Et une perte de plus, une. Alors ne pas oublier de revenir prendre le coffre. Mal cela. Alors, ah, je me souviens de cet endroit, c'est assez long. En plus, il y a moyen de mourir parce que ça fait mal. Voilà. Connerie. Yep. Passe par là. Hey. Voilà. Hop.
Alors... Là, on a le trésor. Alors, sauf que, voilà. Il faut pouvoir y accéder au trésor. C'est marrant. Ah! Ah, j'aurais dû venir jusque-là, à mon avis. Je sais pas si je vais pouvoir y retourner. Football. Et du coup ça libère le passage pour aller au trésor. Super. Voilà. Alors, on en est où dans les objectifs? Eh ben on l'a tout. Super. Bon alors le puzzle au début, il sert à quoi? C'est la fin du niveau et ça c'est juste une méga zone pour tout choper. C'est pas impossible. Donc si on veut faire très vite, on passe pas par là. Ah bah non, je venais de me soigner. Je suis vraiment mauvais sur ce niveau. Mes deux plus rapides sont décédés, j'ai l'impression. Bon bah... Hop. Cinder, c'est parti. Niveau assez ardu quand même. Voilà. Et là on va pouvoir repartir. Et je sens que ça va nous renvoyer devant le puzzle de tout à l'heure. Ou alors à la fin. Passons la vidéo. Non, direct au boss. Ok. Bon, c'est un boss, je vous le passe. Donc, on a les objectifs de collection. Je vais juste aller vérifier le puzzle en fait qu'on avait tout à l'heure, voir où ça mène. Histoire que vous ayez toutes les infos sur le niveau. Donc bah je vais faire une petite coupure et revenir juste à l'entrée là où il y a le petit cadenas avec le puzzle à résoudre. A tout de suite. Au final, je vous laisse le boss pour que vous en voyez au moins un une fois, quitte à devoir le faire pour continuer à jouer, refaire la vidéo, continuer la vidéo, autant le montrer. Vous avez pu voir le boss peut-être en accéléré, voir que du coup, non, je vais pas le faire en accéléré. Tiens, je vais pas accélérer la vidéo comme ça, vous verrez bien. Et donc, Stilfelf, c'est super fort comme personnage. Hein. Donc voilà. Ça par contre, je vais zapper les petites vidéos pour retourner rapidement au chapitre. Voilà. Donc on va faire ce puzzle là. Qui en plus ne semble pas du tout compliqué.
Je pense que je l'ai fait dans le minimum de coups nécessaires en plus. Voilà, score parfait, 12 coups. Ça vous avez pu le voir. Et ça nous mène. Et ben au même endroit, sauf qu'on arrive par l'autre porte, par la porte plutôt que par le puits. Donc bon bah je vais pas reprendre. Donc c'était bien la suite du niveau tout à l'heure. C'était pas juste, voilà. Donc bah que ce soit passe par le puzzle ou par le tourbillon d'eau, on arrive ici. La suite du chapitre, vous l'avez. Voilà, à bientôt pour le chapitre 18.